Et hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la deuxième vidéo de cette série spéciale 24 races pour 24 jours avant Noël. Donc cette fois-ci, on va vous parler du Chihuahua, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature. Donc comme pour petit rappel, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale puisque je n'ai actuellement pas de chien à vous présenter pour faire des vlogmas que je fais déjà sur ma chaîne principale. Donc j'avais décidé d'aborder ce thème de découvrir 24 races pendant 24 jours pour découvrir des races qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on pense connaître mais sur lesquelles on pourrait se tromper. Donc cette fois-ci je vais vous parler du Chihuahua et c'est là que l'importance du témoignage que j'avais eu. Donc vous pouvez témoigner sur votre race, il y aura un lien avec un formulaire en barre d'infos à participer à cette vidéo pour pouvoir étoffer au niveau des réponses. Et en complément, si jamais vous avez un compte Instagram ou une chaîne YouTube, il y aura la possibilité que je vous rajoute une petite pub en barre d'infos ensuite lorsque je répondrai à une vidéo sur votre race. Donc cette fois-ci, donc l'intérêt que j'ai eu de poser les questions à ce qu'il y a eu beaucoup de témoignages sur le Chihuahua qui m'a permis de combler cette vidéo, puisque moi-même je vis et j'élève des Chihuahua actuellement, donc au nombre de deux, mais mon témoignage actuellement ne serait pas du tout objectif et pas forcément très gentil avec la race, parce que voilà, si je veux changer de race, ce n'est pas forcément pour rien. Donc j'avais besoin d'avoir un témoignage autre pour me rendre compte un petit peu comment les autres réagissent avec des passionnés de Chihuahua, contrairement à moi qui en suis un petit peu dégoûtée. Donc pour revenir comme les premières questions, j'ai vraiment suivi la même trame qu'avec le boxer pour ne pas s'y perdre. Donc pour savoir, le Chihuahua est donc originaire du Mexique. D'ailleurs il faut savoir qu'au Mexique, je pense que beaucoup le savent, il y a aussi la ville de Chihuahua qui existe. Donc le Chihuahua fait partie du groupe 9, donc de la section 6, ou sa propre section, la section du Chihuahua. Au niveau de la taille, il n'y a pas réellement de morphologie au niveau du standard, il n'y a pas de critères de hauteur bien précis, mais généralement on voit que le Chihuahua du standard a tendance à être quand même assez petit, court sur pattes et assez compact. Pour le poids, tout ce qui est engendré sur le standard, alors il faut qu'il fasse au minimum 500 grammes, c'est le poids de mon cochon d'Inde, mais il ne faut pas qu'il excède les 3 kg. Voilà, c'est la seule chose qui rentre dans les critères au niveau du standard, au niveau du format. Pour le poil, vous avez le choix entre un poil long, alors moi j'appellerais entre le poil long et le poil mi-long, mais au standard ça s'appelle le poil long et le poil court. Par contre, il faut savoir qu'au l'œuf, le croisement entre les deux est totalement interdit. Au niveau de la robe, toutes les couleurs sont acceptées, sauf la couleur du merle. Pour ceux qui ne savent pas le merle, ben, je vais vous faire exprès, ben, je vais vous montrer mon chihuahua. Donc voici un gros chihuahua hors standard de 6 kg qui est actuellement, donc il est bleu merle et avec des yeux particuliers. Color. Alors je sais pas si vous le voyez, qu'il est pas très réveillé vu l'heure qu'il est, hein, on tourne en ligne un peu tard, mais voilà le fameux hors standard qui ne correspond pas du tout et qui est donc 100% interdit dans la race du chihuahua. Certains me seraient même choqués que j'appelle ça un chihuahua, mais donc voilà, seule sa couleur et son poids sont totalement interdits. Au niveau du caractère, le standard le décrit comme assez protecteur, sociable, courageux, mais également têtu, aboyeur, curieux, manipulateur, moi j'aime bien rajouter un petit peu ça, et ainsi que câlin et téméraire. Je pense que dans la globalité, on est pas mal, on touche bien le caractère typique du chihuahua. Au niveau de maladies, il y en a quelques-unes. Alors je vous cite la liste, mais en réalité on n'en croise pas souvent, mais c'est quand même des maladies qu'on peut rencontrer chez le chihuahua. Mais chaque maladie, il y a très très peu, contrairement au boxer où il y a une déclinaison pas possible dans chaque maladie. Là vraiment c'est vraiment une globalité. Donc les maladies cardiovasculaires, oui, j'ai eu moi-même une chihuahua qui a eu des problèmes cardiaques. L'avantage que je vous dirais, c'est que ce sont des chiens tout petits, donc l'avantage c'est qu'au niveau des traitements vétérinaires, ça vous coûte peanuts, tellement c'est ridicule au niveau du prix, parce que même des fois des vétérinaires ne savent même pas quel tarif exercer sur vos chiens, tellement la quantité est infime dès que vous devez le soigner de quelque chose. La preuve, pour les stérilisations, généralement moi je ne payais même pas les anesthésies tellement c'était ridicule. Ensuite on a les maladies de peau qu'on rencontre chez le chihuahua. Au niveau de la maladie de peau, celle que j'ai déjà rencontrée très souvent, c'est l'alopécie, donc la chute et la perte de poils plus ou moins fréquentes chez le chihuahua. Ça c'est quelque chose que j'ai très couramment rencontré, par contre ça c'est pas un truc assez rare, c'est quand même assez fréquent. Et ainsi que les soucis des glandes anales, ça c'est quelque chose que chez le petit chien et particulièrement chez le chihuahua, j'ai déjà eu le cas d'avoir plusieurs chiens qui m'ont fait des infections à ce niveau là sur 4 chihuahuas que j'ai fréquenté, il y en a quand même 3 qui me l'ont fait. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir, que ça arrive assez régulièrement. Ensuite, au niveau des maladies musculosquelettiques, il faut savoir que les chihuahuas, comme beaucoup de petits chiens, sont très sujets aux problèmes de luxation de rotule. Certains sont au stade, donc comme les miens,
d'ailleurs, même moi j'ai des problèmes de rotule. Comme les miens ne sont pas forcément à des problèmes, il y a différents stades et je sais que les miens sont en stade 1 ou 2. Donc ce qui fait que suivant la période de l'année, ils peuvent boitouiller un petit peu, mais c'est pas grave. Par contre, pour ceux qui sont en stade 4 où carrément le genou passe son temps, la rotule passe son temps à sauter et devient très douloureux pour le chien, il faut savoir que le chien dans ces cas-là se fait opérer. Il faut compter à peu près entre 6 et 700 euros l'opération du genou, sachant que ce sont sur des petites morphologies toutes petites, donc il faut des spécialistes pour s'en occuper, et que votre chien peut être bloqué, je crois, entre 2 et 6 mois sans se déplacer jusqu'à ce que tout soit remis en place. Voilà, il faut le savoir. Mais tous les chihuahuas n'en sont pas 100% atteints au point d'être opérés, mais c'est une chose à savoir. Si je vous en parle, c'est que je l'ai quand même assez souvent reconnu. Ensuite, au niveau des cancers, donc j'ai découvert que les chihuahuas avaient tendance à être prédisposés au cancer du mélanome, donc je crois que c'est les problèmes au niveau de la peau, mais les mélanomes, je crois qu'aussi c'est sujet à être assez provoqué par les problèmes de soleil, et il faut savoir que les chihuahuas adorent s'exposer au soleil, donc je pense que investir dans la crème solaire pour chien, ce serait pas mal non plus. Et apparemment, les tumeurs du testicule aussi chez le mâle seraient assez fréquents. Ça, j'en ai pas du tout eu de retour. Donc ensuite, les maladies neurologiques, il faut savoir que ça, c'est quelque chose, c'est un témoignage qui est énormément revenu et que j'ai beaucoup constaté au fil du temps, parce que ça fait maintenant 11 ans que je suis dans le monde du chihuahua, et l'hydrocéphalie est quelque chose qui est quand même assez courante chez le chihuahua, surtout plus vous le prenez miniature, plus vous le prenez hyper typé, genre dans le standard avec les grosses têtes bien rondes, c'est très très souvent. Donc qu'est-ce que l'hydrocéphalie? Généralement c'est une tête qui est très très ronde. Le cerveau est à l'intérieur, mais autour du cerveau, il y a de liquide encéphalorachidien. Je vous sors un mot, je suis même pas sûre que ce soit ça. Qui va venir faire pression sur le cerveau, ce qui fait que ça lui provoque des problèmes neurologiques et que ça va même lui... faire ressortir les yeux, mais il va être très très globuleux comme chien. Donc c'est quelque chose qui est très très commun, et d'autant plus quand on veut trop miniaturiser la race pour se retrouver avec des petits hamsters croisés cochons d'Inde en format teacup, comme ils aiment les appeler, ce qui est totalement une aberration. Voilà, donc mais voilà, ça reste assez commun. Ensuite on a la maladie des yeux, mais il a été stipulé que généralement c'est avec les chiens dont le mien que vous n'êtes pas censé rencontrer au niveau du chihuahua, parce que comme le merle est interdit, apparemment les problèmes des yeux sont principalement provoqués chez le merle, puisqu'il y a des problèmes de côté, surtout s'ils sont croisés double merle et compagnie. On ne croise pas deux merles entre eux, c'est une base à savoir. Et on peut avoir des problèmes donc de chiens aveugles, de chiens qui est malvoyant par rapport au fait que ses yeux soient particolores ou etc. Donc ensuite on a des maladies rénales et urinaires, mais j'ai envie de vous dire qu'à mon avis, à chaque race que je vais rencontrer, c'est une maladie qui est assez commune chez la plupart des chiens, surtout quand ils sont en alimentation croquette. Voilà. Ensuite on a les maladies respiratoires, donc savoir qu'il y a aussi l'écrasement, donc le collapsus de la trachée, donc savoir l'écrasement de la trachée, le chihuahua est énormément prédisposé. Donc j'en reviendrai aussi sur cette chaîne parce que c'est une vidéo qui a énormément tourné sur ma chaîne principale, mais je vous parlerai du reverse nising et compagnie. Mais il faut savoir que donc le chihuahua, au bout d'un moment, va avoir la trachée qui va être écrasée, va être très exposé au fait de beaucoup tousser, de beaucoup racler du nez, de beaucoup s'étouffer en respirant. C'est pour ça qu'il est énormément recommandé à ce que le chihuahua soit promené en harnais et non pas en collier, parce que le port du collier, surtout si vous avez un chien qui tire, est très dangereux pour lui. Et il faut savoir aussi qu'au niveau du trouble de la reproduction, il y a des femelles qui sont atteintes d'une maladie, donc la diphoxie, je crois que j'ai vu le nom. Donc la femelle a des grosses difficultés, voire des impossibilités à mettre bas. Et au niveau des mâles, on a souvent des problèmes de cryptorchidie, donc il faut savoir que soit il y a une absence d'un testicule, soit il y a un testicule qui n'est pas totalement descendu, ou alors carrément le testicule qui est coincé au niveau du ventre. Donc là, il y a opération obligatoire, puisqu'au bout de certain nombre d'années sans que ce testicule ne bouge, il y a risque de cancer ou de tumeur au niveau de ce testicule. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez commun chez le chihuahua, je l'ai rencontré assez régulièrement. Donc voilà pour ce qu'on a à en dire sur les maladies, mais... Il y en a, mais c'est pas non plus ultra commun à tous les chiens. Ensuite, au niveau du budget, alors forcément là je vous parle du budget moyen de ce qu'on peut trouver. Alors attention, le chihuahua vous pouvez en trouver entre 800 et moins dans certains endroits où ils les vendent avec pas très terrible sur le bon coin, jusqu'à 4000 euros le chien. Oui, alors le chien c'est pas une légende, le chihuahua est une race qui a toujours et qui coûte toujours très cher. Essayez pas de voler les miens, ils valent pas ce prix là. Juste petit aparté, c'est toujours ce qui m'a fait peur, parce que dès que je prenais mes chiens à une époque, leur prix que tout le monde annonçait, c'était tellement des chiens de stars, de riches et compagnie, que j'avais qu'une trouille, c'est que les gens me les volent pensant pouvoir les revendre cher, alors qu'ils ne se vendraient pas cher, ils sont hors standard, ça ne correspondrait pas. Mais voilà, il faut savoir que les chiens les plus recherchés, avec les meilleures lignées, les plus cotés, les plus dans le standard, peuvent être vendus jusqu'à 4000 euros. Voilà, ça, j'ai déjà connu une éleveuse qui avait acheté son couple 10 000 euros.
Et voilà. Mais la moyenne pour des chiens, si vous cherchez un chihuahua au l'œuf, on redescend un petit peu plus sur des trucs un peu plus raisonnables et un peu plus réguliers à tous les chiens l'œuf, on trouvera des chihuahuas entre 1200 et 1500 euros sans souci. Concernant son espérance de vie, vous allez voir que finalement les maladies dont il risque d'être atteint ne vont pas entacher beaucoup la moyenne de cette race, puisqu'ils peuvent tout simplement vivre entre 15 et 20 ans. Donc quand vous prenez un chihuahua, vous avez intérêt à être sûr de vous, parce que vous vous engagez sur du long terme et que justement c'est très important de bien gérer l'éducation le plus tôt possible, sinon toutes les choses que vous aurez ratées en éducation, vous allez les subir pendant de très très longues années. Je parle par expérience. Donc au niveau des témoignages, je vous reciterai les noms de tous ceux qui ont porté leur témoignage en barre d'infos, mais je tenais à remercier à toutes celles qui ont répondu à mon petit questionnaire, donc la maman de Indy, Orphée Doggy, Adeline et Howard, Isaac, la maman donc de la petite tribu, donc Pets Family Love, la maman de Lizzie, Tara et Roxy, Piwi Chihuahua, Pepina, Bambi, et moi, puisque forcément j'ai rajouté un petit peu mon avis dans les témoignages, puisque étant maman de deux chihuahuas, bah, c'est normal que j'y réponde aussi. Donc pour vous situer un petit peu sur le genre de maman ou de chien qui ont répondu, donc dans le lot on a 9 non-lof contre 3 chiens l'œuf, et on avait 6 mâles pour 6 femelles, donc au niveau des caractères, comme ça on va un petit peu avoir une bonne moyenne, donc je suis contente pour le coup. Et donc forcément, comme on a du l'œuf autant que du non l'œuf, le poids de chiens qui sont présentés dans les questionnaires font entre 1,4 kg et 6 kg. Donc par contre tout le monde est unanime pour le coup, le chihuahua s'adapte à tout petit d'environnement, que ce soit un chihuahua peut très bien vivre en appartement, en maison en ville ou en maison à la campagne. Par contre je tiendrai à spécifier, puisque j'ai eu d'autres témoignages sur le sujet au fil des années, au niveau du chihuahua, je vous conseillerais quand même de faire très attention, puisque le chihuahua étant un petit chien, plus votre modèle sera petit, plus il sera exposé au danger des prédateurs. Donc ne lâchez pas non plus votre chien sans surveillance, puisqu'il y a des chihuahuas qui se sont fait attaquer par des renards, des belettes, des blaireaux, ou même carrément un chihuahua qui s'est déjà fait kidnapper par un rapace. Donc ne les laissez pas non plus sans surveillance, ne psychotez pas, mais faites attention si vous êtes en campagne quand vous laissez votre chihuahua dans le jardin. De manière générale, je vous dirais, ne laissez jamais un chihuahua seul dans sa cour, parce que entre les vols et le risque de rapt par les animaux sauvages, il est quand même high level, donc faites attention. Pour les sorties, alors là on a deux cas de mesure où il y en a certains qui disent que la balade quotidienne est un minimum. Alors oui, bien entendu, mais le chihuahua a tendance à s'adapter aux besoins de son maître. Si son maître veut faire du sport, le chihuahua fera du sport. Si le maître veut le sortir tous les jours, il sortira tous les jours. Si le maître veut ne faire comme moi qu'une grosse balade le week-end, et ben le chihuahua s'y adaptera. Il a une très très bonne capacité d'adaptation là-dessus, et il n'a pas réellement besoin d'une grosse dépense physique. Il le fera si jamais vous le demandez, mais il n'en a pas besoin nécessairement de faire du sport tous les jours. C'est pas un truc où il va vous le faire payer parce qu'il a pas eu son sport journalier. Au niveau des aboiements, je suis assez étonnée des réponses que j'ai eues, parce que la plupart des gens m'ont dit qu'il n'aboyait qu'en cas de danger ou en cas d'avertissement parce qu'il y a quelque chose de louche. C'est vrai que moi, sur les deux que j'ai, il y en a qu'un qui est aboyeur compulsif, mais il faut savoir quand même que le chihuahua, même si c'est pas forcément une généralité, si vous tombez sur le modèle qui aboie non-stop, il va vraiment vous aboyer non-stop. Là qu'au niveau la partie éducation, si jamais votre chihuahua commence à beaucoup aboyer étant vraiment chiot, il est très très important d'y pallier le plus tôt possible, parce que vous risquez d'être embêté à vitam aeternam. Je sais que moi j'ai une chihuahua, c'était mignon la première fois où elle aboyait quand elle avait 2 mois, sauf que maintenant ça fait 11 ans qu'elle n'arrête plus d'aboyer. Voilà, donc c'est un peu compliqué. J'ai découvert qu'il y avait des problèmes chroniques et autres derrière qui fait qu'elle est qu'elle aboie sans raison, que même personne, même les professionnels ne savent même pas quoi me dire sur le sujet, donc c'est pas juste une part d'éducation. Mais il faut savoir, c'est quand même pas une légende, le chihuahua est quand même un vrai klaxon quand il s'y met. Et surtout qu'en plus c'est le bon petit aboiement du petit chihuahua bien kiki, bien mignon, qui fait des bruits très stridents. Donc en plus d'être agaçant, ça fait mal aux oreilles. Pareil, je suis assez étonnée de voir que contrairement à ce que moi j'ai comme témoignage, c'est que le chihuahua a tendance à être propre très tôt, dès ses premiers mois il est très très propre, alors que moi c'est un truc que je reproche au mien depuis très longtemps, c'est que mes chihuahuas sont des chiens qui ne sont pas propres depuis jamais, ils n'ont jamais été propres. On va dire qu'on a deux poids deux mesures. Kitty a été propre, mais ne l'est plus parce qu'elle vieillit, mais autant qu'Amory n'a jamais été propre. Alors donc je pense que si jamais un jour vous voulez castrer votre chien, il faut le faire le plus tôt possible, ce que je n'ai pas fait, parce que ça pourra peut-être pallier, mais maintenant moi c'est trop tard, la part de l'éducation, il a 9 ans, ce sera trop tard pour ça, et c'est pas juste une part d'éducation, parce que j'ai éduqué d'autres races
de la même manière qu'eux, et chez d'autres races c'est très très bien passé, je n'ai eu aucun souci, donc c'est vraiment eux et vraiment entièrement eux. J'ai remarqué que le mâle, c'est le pire de tous. En fait, si vous avez une femelle en chaleur, il va aller lever la patte pendant toute la période où votre femelle va être en chaleur. J'ai eu le cas de quand on faisait des rassemblements de chihuahua où tous les mâles sur place, toute éducation différente, tout environnement différent, quand ils étaient avec nous, ils n'hésitaient pas à faire pipi sur leurs propres affaires ou leurs propres. Ils nous ont déjà pissé dessus juste pour dire c'est à moi, c'est mon maître. Combien de fois je me balade dans la rue, si les gens sont assis au sol, j'ai intérêt à le tenir court parce qu'il leur ferait pipi dessus. Donc voilà, il faut savoir quand même que le mâle chihuahua est un bon fourbasse quand il s'y met. Il ne fera peut-être pas forcément à 100%, mais des fois un peu stimulé parce que monsieur veut montrer que c'est pas parce qu'il est petit que c'est pas un gros bonhomme, il va jouer de la testostérone et il va vouloir faire pipi partout. Donc voilà. C'est pas le témoignage qui leur sort, mais je parle pas que de ma propre expérience, mais ce que j'ai vu autour de chihuahua que j'ai beaucoup fréquenté, et je parle même pas des élevages chez qui j'ai été, où c'était les éleveuses avec le balai brosse toutes les 2 minutes, parce que le mâle chihuahua n'étant pas castré et au milieu de plein de femelles en chaleur, c'était Bagdad. Donc au niveau de la sociabilité, dans l'ensemble il est marqué qu'il est assez sociable, il a tendance à jouer, surtout s'il a été incité à la sociabilisation depuis tout petit, donc ça pour moi c'est quelque chose qui est très important. Les plupart des chiens, donc on a le cliché, pour le coup c'est un cliché du chihuahua qui a tendance à bouffer tous les autres chiens, qui a tendance à être tyrannique, aboyeur, grogneur, mais c'est pour ça que c'est très important, c'est d'éviter de prendre tout le temps votre chihuahua dans les bras, parce que si vous le prenez qu'en poussette dans les bras ou quoi que ce soit, il va tout de suite se sentir sur un piédestal au-dessus. Quand un chien va s'approcher, il n'aura pas moyen de fuir, donc il va devenir encore plus agressif et plus hargneux, et en le surprotégeant, vous allez lui donner raison à être aussi agressif, donc ça c'est un truc qu'il faut faire super attention avec le chihuahua. On comprend bien, j'ai beaucoup de témoignages du cas, et moi pareil, il y a des moments quand tu croises un chien que tu ne connais pas, t'as pas le droit à l'erreur, parce que même un coup de boule pourrait tuer ton chien si c'était un gros chien en face, donc t'as pas le droit à l'erreur. Mais il est impératif, c'est de trouver des groupes de balades sur les réseaux sociaux, ça c'est quelque chose qu'on peut facilement trouver, que ce soit plus ou moins de sa taille ou pas, mais c'est important que le chihuahua voit beaucoup 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 de monde et qu'il soit mélangé à d'autres chiens pour faire attention à sa part de sociabilisation, qu'il ne vienne pas hargneux et agressif envers ses congénères. Donc il faut faire attention à ne surtout pas le surprotéger. Mais là encore par contre, chaque chihuahua et son différence. Certains ne vont rester que pot de colle au pied du maître en balade, certains d'autres vont essayer d'aller jouer avec d'autres, certains vont aller un petit peu explorer aux alentours, mais de manière générale il est important que votre chien tolère les autres chiens de sa race, et c'est pas une prédisposition de la race comme certains autres pourraient avoir. C'est vraiment une part aussi d'éducation très très importante. Au niveau du toilettage, ce qui est revenu le plus souvent, c'est que forcément avec leurs yeux un peu globulés, il est très important pour enlever tous les problèmes au niveau des yeux, les saletés et les mauvaises traces moches au niveau du dessous des yeux, c'est de leur nettoyer au moins une fois par semaine, voire un peu plus si vous avez des produits doux au niveau des yeux régulièrement, pour pouvoir nettoyer, qu'il n'y ait pas de taches brunes au-dessus des yeux. Mais c'est un peu le plus important. Après j'aurais tendance quand même à dire un petit brossage des dents régulier ferait pas de mal, surtout s'ils sont aux croquettes ou à la pâtée, puisque leurs petites mâchoires font que ça se nettoie moins bien là-dedans et qu'ils ont tendance à plus facilement créer du tartre, à avoir une mauvaise haleine. En revanche pour le reste, ça nécessite très 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 peu de toilettage franchement pour un petit chien. C'est ce que j'avais tendance à dire beaucoup à l'époque, c'est un chien qui coûte cher sur l'instant de l'achat, mais par contre pour le reste c'est niveau budget, faut pas se mentir, c'est un chien qui coûte rien. Donc voilà, au niveau du bain, il a pas besoin d'un bain régulier, sauf s'il a des problèmes de peau, mais ça c'est autre chose. Mais pour un chien en pleine santé, un bain tous les 2 à 3 fois par an, ça suffira largement. Si votre chien a été se rouler dans une cochonnerie, parce que chihuahua n'est pas le dernier, c'est la fausse princesse, elle aime bien se rouler dans les cacas aussi, mais voilà, mais même quand vous revenez de la plage, un simple rinçage à l'eau claire suffira, il n'y aura pas besoin de le laver. Au niveau des brossages, pareil, je conseillerais la petite brosse douce une fois par semaine, le brossage un petit peu plus intéressant avec une brosse adaptée lors des périodes de mue, mais c'est vraiment très peu. Par contre le chihuahua à poil long, je vous conseillerais de le brosser au moins avec une carde une fois par semaine, ce qui est assez intéressant parce qu'ils ont tendance à avoir des dreads et des nœuds au niveau des franges des oreilles, et puis pour être sûr que la peau soit bien aérée, donc l'utilisation du pulseur, ou attention pour les modèles, moi je sais que sur le moins de 6 kg ça passe, mais l'utilisation d'un pulseur et d'une brosse une fois par semaine est assez intéressant pour aérer la peau et faire attention qu'il n'y ait pas de pellicule ou de corps étranger qui serait caché sous les poils longs. Et j'en sens à dire aussi qu'il est important, c'est de faire au moins la coupe des griffes du chihuahua au moins une fois par mois, puisque contrairement à certaines races qui sont très lourdes, les griffes du chihuahua, même s'ils se baladent régulièrement, elles ont tendance à avoir les ongles qui poussent vraiment beaucoup, même si voilà, même avec une marche régulière, leur poids fait que les ongles ne s'usent pas facilement, surtout si vous marchez très peu sur le bitume et que vous avez tendance à les porter un peu trop. Donc attention avec la pousse des ongles qui peut être assez rapide.
rapide chez le chihuahua. Et donc, comme disait, au niveau de la santé est vraiment très solide, donc c'est vraiment pas un chien qui a beaucoup besoin de voir du veto. C'est ce qu'on disait beaucoup de témoignages, qu'on est d'accord là-dessus. C'est toujours ce que je disais, le chihuahua, du moment que tu ne lui shootes pas dedans, que tu ne lui marches pas dessus, t'as pas besoin d'aller chez le veto. C'est un chien qui est assez solide. Faut faire quand même attention aux chiens qui ont tendance à vouloir monter sur les canapés, à mal chuter, installer leur des escaliers ou des rampes, c'est ce que je vous conseillerais quand même, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Mais de base, hein, je sais que moi, y a mes chihuahuas, ils voient pas le veto de pendant des mois, voire même des années pour certains, parce qu'ils en ont vraiment pas de besoin. Il y a leur santé. Bon, moi j'ai ma femelle qui a des problèmes au niveau gastrique, mais même ça, ça me nécessite pas d'aller voir un vétérinaire. Une fois que je sais comment la soigner, je la soigne moi-même, quoi. Au niveau de l'apprentissage, ce qui m'est revenu, donc chaque individu est bien entendu différent. Vous allez avoir le plus fémard qui a pas envie d'apprendre, à celui qui est une bête de compétition qui va vous faire tous les enchaînements, tel un chien de cirque, de ce que vous voulez, le plus limite qui va passer incroyable talent, ce que vous voulez. Il y a ce cas là mais la moyenne qui revient, c'est le chihuahua, c'est doucement mais sûrement. En effet, moi, ce que j'ai pu voir avec les miens, Kitty, ça fait longtemps que j'ai abandonné les tours. Elle a mis genre 3 ans à apprendre le couche, elle l'a même pas totalement validé. À Maury, il lui faut à peu près un mois d'apprentissage intense par tour, donc il faut y aller tranquillement et pas être pressé. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort de manière générale. Au niveau du budget mensuel, alors là j'ai eu de tout, mais moi je tape d'une moyenne entre 30 et 50 euros pour bien nourrir un chihuahua. Je pense que c'est une bonne nourrir, parce qu'en fait il y en a certains aussi qui rajoutent le budget friandise, donc je sais pas trop ce que les gens entendaient par leur budget, mais je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit de 10 euros à 60-70 euros par mois. Je pense qu'entre 30 et 50 euros, on est pas mal si on table à prendre un paquet de croquettes de gamme moyenne avec l'apport de pâté en humidité. Moi, c'est ce que je tomberais à peu près pour Kitty, je tomberais à peu près à 30 euros par mois. Donc c'est à peu près, parce que moi je peux pas vous dire oui pour du 10 euros, parce que je veux pas vous dire que oui, on peut nourrir un chien avec des croquettes de supermarché. C'est pas du tout ma manière de conseiller les choses, donc voilà, je préfère vous dire au minimum 30 euros par mois, ce qui est pour moi pas du tout excessif. Et que parfois, comme la maman de Lizzie me faisait le témoignage, c'est que vous achetez un gros paquet, d'ailleurs faites attention au temps de conservation, si vous achetez des gros paquets, divisé par le nombre de mois que vous allez l'utiliser, vous allez en avoir pour, c'est ce qu'elle me disait, je crois qu'elle en a pour genre 5 euros par mois quand elle prend des gros paquets, enfin non pas 5 euros mais, enfin je sais plus le prix est totalement dérisoire, puisque voilà, tu divises le paquet de 12 kilos vu le nombre de quantité qu'elle va manger par mois, t'as le temps de voir venir, quoi. Donc au niveau de l'indépendance dans la maison, moi je l'ai noté pareil aussi, ils sont pas forcément de peau de colle, il faut faire de toute façon attention à ce qu'ils ne le soient pas, vous ne le portez pas forcément à chaque fois qu'ils vous le réclament ou quoi que ce soit, puisque vous allez créer des problèmes d'hyperattachement, ce qui serait un gros souci pour vous. Mais de manière générale, comme la plupart des chiens qui aiment leur maître, donc comme le boxer, je vous en parlais la dernière fois, le chihuahua va souvent être dans le périmètre où vous allez être. Je vais pas vous mentir que si vous asseyez sur le canapé, ils vont venir s'en mettre sur le canapé avec vous et voir grappiller sur les genoux, mais ils sont pas forcément, dès que vous marchez dans la pièce, à voir sur le bas des pieds, à gratter jusqu'à ce que tu le portes. C'est pas forcément le cas. Mais c'est une race qui aime être proche de son maître. Donc ensuite, les indépendances en balade, là on a deux témoignages qui reviennent. Alors soit on a le chihuahua qui, comme les miens, que tu les balades avec ou sans laisse, ils sont toujours au pied, il n'y a pas plus proche que le pied. Sauf ma chihuahua de 11 ans, maintenant elle est dans un sac à dos où je la promène parce qu'elle ne peut plus marcher comme avant. Elle n'arrive pas à suivre. Et les autres me disent que sinon ils jouent avec les copains mais en toujours visible. Voilà, c'est vraiment pas le chien qui va aller s'éloigner, qui va aller explorer, qui va aller se perdre dans la forêt parce qu'il aura traqué un gibier. On n'est pas du tout dans le délire. Et au niveau de à quoi sert le chihuahua, donc bien entendu, le premier truc qui revient en tête, c'est forcément un chien de compagnie. C'est sa première faculté pour laquelle généralement on le choisit. Ce qui fait qu'il est adapté à tout âge au niveau des personnes, que ce soit même... Enfin, les personnes âgées, il faut faire un petit peu attention parce que le chihuahua a un petit peu tendance à l'obésité et vu la taille qu'il fait, ça peut être dangereux si on attend, il va tomber sur papy ou mamie gâteau qui va lui donner tous les fonds d'assiette. Et puis si papy ou mamie ils sont trop gentils avec le petit chien, il va tendance à être un petit peu, bah voilà, le cliché du chien hargneux du petit vieux, bah on sera en plein dedans. Mais voilà, c'est quand même un chien qui est quand même adapté pour des personnes d'un certain âge. Par contre, j'aurais tendance quand même à dire, et je pense que les filles le spécifieront dans leur témoignage, que c'est quand même pas un chien par contre qui est adapté à des chiens, c'est pas un chien de famille, le format et le poids qu'il fait, surtout quand ils sont dans le standard. Donc moi, un chien comme Amaury qui fait 6 kilos, il n'y a pas de souci, il peut vivre avec des enfants, il n'y a pas de problème. Mais de manière générale, on vous déconseillera d'avoir un chihuahua avec des enfants en bas âge parce que c'est très dangereux. Je sais que ça pourrait arriver à tout le monde et j'avais eu le témoignage d'une amie d'époque dont le chihuahua est décédé parce que sa petite cousine, qui avait genre 5-6 ans, elle savait se comporter correctement avec les chiens, elle avait une bonne relation avec le chien, il n'y a pas de souci.
un jour elle est allée, le chien la suivait partout et elle est allée dans la salle de jeu, sauf que dans la salle de jeu elle a trébuché sur un petit cube au sol et elle est tombée sur le dos du chien. Et le poids de l'enfant a suffi à paralyser le chien, au fait qu'il hurlait tellement que même le laisser paralyser n'était pas possible tellement il souffrait, donc il a fallu le piquer. Donc voilà, tout simplement le poids fait que l'erreur d'un enfant lui serait fatale en cas de souci. Donc même avec le meilleur des enfants qui a subi la meilleure des éducations, là vraiment cet enfant là c'était un pur accident qui m'a toujours marqué. C'est un témoignage que j'apporte très régulièrement. Il faut savoir que voilà, même avec un super enfant bien éduqué, vivre avec un enfant en bas âge pour un chihuahua est très dangereux. Et sinon, en dehors du chien de compagnie, bien entendu, il est prédisposé, donc il n'y a pas de souci pour lui faire des canisports. Donc j'ai vu des gens faire du canicross, ceux qui, voilà, à la Wouffrande par exemple, j'en ai vu très régulièrement. Il y en a sans souci qui font de la randonnée. Alors les miens n'en font pas spécialement, mais je sais qu'un chihuahua, il peut enchaîner des 4, 5, 6, 7 km de randonnée sans souci. Et de toute façon, vu le poids qu'il fait, si jamais il y a un souci, je vous ferai une vidéo bientôt sur... un sac à dos que je vous recommande, et même de toute façon vous pouvez l'emmener en randonnée, il marchera ce qu'il peut, vous avez des sacs à dos exprès pour les transporter, pour lui faire une pause, et il sera reparti comme en 40 juste derrière. Donc c'est quand même un chien qui est assez sportif, assez dynamique quand on lui demande. Et forcément tout ce qui est agility, j'ai vu du chihuahua en faire, tout ce qui est obérythmé, canimarche, canicross, canirando, canitrotte et canivtt, on va peut-être oublier par contre parce que... Encore une fois, ce serait un problème de sécurité si jamais vous vous vautrez avec votre trottinette ou votre VTT sur le dos du chihuahua. L'erreur ne pardonnera pas. Donc on va éviter par contre de ce côté-là, mais pour le reste, le chihuahua est un chien qui est quand même assez énergique et qui en envoie si jamais vous lui demandez. Ils vont devenir pâteaux si jamais vous ne les stimulez pas dans le temps. Ça m'est arrivé avec les miens. Mais s'il a été habitué depuis tout petit à enchaîner, il n'y a pas de souci au niveau de sa santé, il pourra le gérer sans souci. Ce qui est le plus compliqué, moi de mon côté, que j'ai rencontré au niveau de tout ce qui est sport avec les chiens, c'est que vous allez parfois vous rencontrer face à des murs, vous cogner dans des murs de gens qui, c'est toujours le même cas. Pourtant ça fait 11 ans que je suis dans le chihuahua comme je vous le disais, vous allez être très vite catalogué, beaucoup de clubs de races vont vous interdire parce que beaucoup de clubs de races sont à fond dans le chien de berger, le berger allemand, le malinois, et vont vous voir arriver avec votre petit chien. Et j'ai déjà eu le cliché de dire mais c'est pas un chien ça, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ça? Et ça souvent bah, t'es obligé d'être autodidacte avec un chihuahua parce que t'es très mal accepté dans les clubs. Voilà, donc si jamais vous avez des clubs à recommander qui acceptent dans votre région, n'hésitez pas à leur faire de la pub parce qu'ils sont rares. Donc voilà pour les témoignages que j'ai eu principalement. Donc ensuite on va lire vite fait les témoignages, essayer de pas trop traîner, mais il y a tellement à dire parce que j'ai beaucoup de témoignages sur la qualité du chihuahua. Donc là je vais vous dire au fur et à mesure ce que les mamans m'ont dit. Donc tu connais déjà le chihuahua, il ne reprendra pas, mais bon, oui je sais, c'est pour ça que j'ai besoin de vos témoignages. Sa taille me plaît autant qu'elle me dérange, je suis pareil. Pratique et plus facilement acceptée dans les hôtels, c'est pas faux, restaurants, etc. Plus c'est trop mignon. Pas oublier, tout ce qui est petit est mignon, ça c'est un fait. Par contre, il y a des choses plus difficiles à faire et c'est toujours peur pour lui, accident ou vol. Exactement ce que je témoignais. Franchement, Adeline, elle pointe exactement exactement ce que je pense à ce sujet-là. On a une expérience totalement différente du chihuahua, le mien est calme, très doux et câlin. Je l'ai quand même avec Amaury, hein. Je n'ai pas à me plaindre de son caractère, mis à part le fait qu'il soit peureux. J'ai essayé tant bien que mal de travailler dessus, mais rien n'a jamais changé. Donc là, m'a dit autant les qualités que les défauts. Donc ensuite, on a le fait que ce soit un chien têtu avec son propre caractère. Il est petit, donc on peut l'emmener partout. Ce n'est jamais compliqué même de le laisser à quelqu'un, ma famille, en son gaga. C'est vrai que quand tu veux le confier, que tu as un seul chihuahua, même pour des gens qui n'ont pas forcément de chien chez eux, qui ne sont pas très chiens, généralement, il prend tellement peu de place que... c'est facile de trouver quelqu'un pour le garder même dans sa propre famille, ça on va pas se mentir. Donc très affectueux, passe-partout, un vrai enfant à temps plein. Affectueux, intelligent et drôle, on peut l'emmener un peu partout vu sa taille. Elle a besoin de moins d'exercice, de balade qu'un plus gros chien vu qu'elle s'essouffle vite. Enfin, ça dépend des chiens, mais oui, ne nécessite pas de grosses activités en soi. Sa gentillesse, sa propreté, elle s'adapte partout dans toutes les situations. Un vrai pot de colle, j'adore, il est petit donc je l'emmène partout, c'est top. Et son caractère est juste incroyable, j'avais peur d'avoir un chihuahua super têtu mais pas plus que ça. J'adore les randonnées, j'avais peur qu'ils ne suivent pas et finalement nous faisons des 15 km nickel. Voilà, exactement ce que je vous disais. Petit gabarit, donc on peut l'emmener partout, très actif, sportif, sociable, bien accueilli au centre-ville, prend les transports en commun, comme si ce n'était rien, grande capacité d'adaptation. C'est pour ça qu'à la base, moi j'avais craqué sur le chihuahua, mais trouver un chihuahua avec un caractère aussi facile,
C'est pas si facile que ça à trouver. Par sa petite taille, peut véritablement être tout le temps avec la famille, vacances, resto, balade. J'ai fait énormément de restaurants guichois, ça j'en parle même pas. Et là, par contre, si ça se fait se faire tout petit, discret, et on ne les entendait même pas, à tel point que généralement les serveurs ne les voyaient qu'au moment de l'addition. Et aussi et surtout, extrêmement doux et câlin, ça c'est sûr. Petite taille, ce qui permet de l'emmener partout, et j'apprécie pour passer du temps avec elle. Elle est joueuse, elle aime courir, et elle est très proche de moi, adore les câlins. C'est vrai que le témoignage qui ressort beaucoup quand on a un petit chien, c'est qu'on peut vraiment l'emmener partout et qu'on n'a pas cette sensation de se dire ah, mais il va pas être accepté, donc il reste à la maison, tu vois. Alors que là, c'est vraiment, tu l'emmènes partout, et même j'ai même vu des chihuahuas, je les ai déjà fait rentrer dans des magasins alimentaires, je les ai déjà fait rentrer dans des musées. Voilà, à une époque, je les faisais vraiment rentrer où je voulais. Au niveau des défauts, donc tout ce que je disais tout à l'heure, enfin, la dernière fois, c'était défauts, points qui se déplaisent ou inconvénients. Voilà, c'est un peu, on voit ça comme on veut. Donc certains disent que justement, le côté très, 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 très collant peut être un défaut. Si on fait beaucoup de sport, on ne peut pas l'emmener à chaque fois, car elle s'essoufflera plus vite que nous, têtue et fort caractère. Alors ça dépend forcément du format de ton chihuahua et de sa capacité physique, c'est un petit peu propre à chaque individu. Elle a très vite froid et est très peureuse, il perd beaucoup ses poils, et pourtant, heureusement que c'est qu'un chihuahua et pas un Akita. À cause de son gabarit, beaucoup de grands chiens la prennent en chasse, plus les préjugés. Ça, c'est le côté, c'est des chiens qui sont en danger par rapport à leur taille. Tout le monde veut la toucher, c'est pas faux. Les gens tendent à être plus culottés pour les porter sans demander quoi que ce soit. Les enfants les adorent alors que ces chiens en ont souvent peur. Le moindre bout de nourriture humaine, même petit, est énorme pour eux. Voilà, c'est exactement ça, je valide à 200%. Sa taille avec les autres, les gens ont vite peur de lui faire mal. Gros défaut, il aboie quand on croise d'autres chiens en laisse. J'y travaille, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est insupportable en balade en ville surtout. C'est sûr que quand tu veux être discret, que t'es un peu timide et que tu veux pas te taper l'affiche, le cliché du chihuahua qui aboie en tirant comme un espèce de fauve au bout de la laisse, tu l'assumes moyen. J'ai aussi les aboiements de Olaf. Voilà, je vous disais que c'est pas un mythe, c'est que le chihuahua tend à parfois aboyer pour rien. Un peu peureuse parfois avec des inconnus humains ou chiens alors que c'est peut-être bête, mais frileuse du coup l'hiver, je dois faire attention à ne pas oublier son petit pull. J'avoue que ça, moi l'inconvénient que je vis en Normandie aussi, passer mon temps à les habiller 3 fois par jour en hiver, c'est compliqué, c'est fatigant et j'ai un peu autre chose à faire. Je vois la Barbie tout le temps, ça va un temps. Et je dirais également que parfois les gens ne la considèrent pas comme un vrai chien de par sa petite taille, alors que lâchez-la dans un jardin et c'est la folie, elle court dans tous les sens et joue exactement comme les autres chiens. Que dire de plus? Et ensuite ils vont nous dire un peu le maître idéal qui serait adapté pour un chihuahua, donc une personne qui a beaucoup d'affection à donner. C'est contradictoire peut-être, mais pour la mienne je dirais calme et dynamique à la fois. En effet, il faut le moment où le chihuahua aime être au calme et être posé, donc il faut lui accepter qu'il y ait des sessions câlins avec le chien, mais en même temps dynamique, parce que quand il a besoin de se défouler, il faut qu'il ait un maître qui réponde à ce côté « je me défoule quand il en a envie ». Donc voilà, il faut que le maître soit comme le chihuahua. Quand je suis calme, quand je m'excite, je m'excite. Quelqu'un qui aime passer des week-ends sur le canapé, mais qui peut également partir en randonnée tout le week-end, exactement. Elle vient facilement avec nous en rando de plus de 5 heures avec plus de 1000 mètres de dénivelé sans problème. Surtout qu'en plus, en vrai, c'est des petits chiens, mais leurs pattes ne sont pas courtes, donc ils sont aussi agiles que n'importe quel petit animal, quoi. On peut toujours prendre un sac de transport au cas où elle est fatiguée, mais on n'en a jamais eu besoin. C'est pour ça que justement, moi j'aurai un modèle à vous recommander qui vous servira aussi de sac pour vous, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de 2 sacs. Il faut quelqu'un qui sache occuper d'elle quand elle a besoin, mais elle a aussi besoin de moments tranquilles sans qu'on l'embête. Les témoignages, franchement, ils concordent à chaque fois. Je pense qu'il peut s'adapter à tous en ville comme à la campagne, éviter les proutes-proutes car c'est pas une peluche non plus. Exactement. Personne sans enfant avec un petit espace d'habitation qui se laisse pas faire, il faut savoir être plus têtu qu'eux. Un peu tout le monde, car le chihuahua s'adapte à beaucoup de situations, autant aux étudiants dans un appartement qui ne peut pas forcément le sortir longtemps dans la journée, qu'une famille dans une maison avec enfants, autres animaux, pas de problème. Voilà, comme je disais, il y a des nuances, mais on est quand même là-dedans. Une jeune personne dynamique qui pourra lui fournir un minimum d'activité physique. Quelqu'un qui supporte la proximité avec son animal, car le chihuahua est collé à son maître H24, enfin les miens en tout cas. C'est vrai que c'est généralement le cas de beaucoup. Et je m'approche comme ça si jamais vous voyez mon bouquin, parce que les écritures, j'ai imprimé tout petit. Et je vois pas grand chose. Une personne qui recherche simplement un chien de compagnie, attention aux enfants brusques. Le meilleur mot de la fin. Donc ensuite on a les petits témoignages, donc les petits instants pub. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de ce que j'ai pu obtenir. Donc au niveau des associations, il n'y en a qu'une que tout le monde est au courant et qui ressort à chaque fois, c'est donc SOS Chihuahua en détresse. Je savais même pas que l'association était active, pour moi elle avait coulé depuis longtemps, mais apparemment elle fonctionne toujours. Par contre l'inconvénient c'est que cette association va absolument tourner que là où ils peuvent faire des visites, donc c'est Paris. Et limitrophe Paris, et encore à l'époque, j'étais même pas sûre. Au niveau des élevages, on me cite plusieurs élevages, donc du secret des dieux à Carcassonne, du mythe de Samsara, alors je ne sais pas où est-ce que c'est, du clos de Champcheny,
Et dans ma région, donc on a Los Chicos de Veules-les-Roses, donc à Veules-les-Roses, voilà, en bord de mer. Et apparemment, ils élèvent du sphinx aussi. Et ça, je dirais. Ensuite, au niveau des comptes Insta, pareil, il y aura les liens en barre d'infos. Donc, vous avez le compte de Lizzie Chihuahua, donc la copine. On a Elliot et Elvis, Orphée Doggy et Ao Momo. Donc, il y a des comptes que je vais découvrir parce que je ne les connaissais pas. Donc, je mettrai tout en barre d'infos. Et au niveau du compte YouTube, bah, merci à toutes les filles qui en ont profité pour le faire parce que je ne me sentais pas trop de forcément de le faire de moi. Mais forcément, je mettrai en barre d'infos ma chaîne principale puisque, ayant deux Chihuahuas, si jamais vous voulez les voir, je fais beaucoup de vidéos, que ce soit des vlogs, des sorties ou des vidéos, voilà, face cam avec eux sur ma chaîne, donc ma chaîne Emi Chichi. Et sinon aussi la chaîne de ma copine Héloïse avec Lizzie, donc Héloïse Lizzie Chihuahua, que je vous mets pareil en barre d'infos. En plus elle a une formation de toiletteuse, donc elle vous donne des informations sur le toilettage canin. Et je crois que de toute façon le monde du Chihuahua, bah, puisque maintenant Adeline a arrêté depuis un certain temps sa chaîne YouTube, je pense qu'on est les deux rares à faire vraiment encore dans le monde francophone une chaîne YouTube au niveau du Chihuahua. On est les irréductibles qui continuent et qui ne lâchons pas l'affaire depuis tant d'années. Au niveau du groupe Chihuahua, on m'a conseillé donc Chihuahua, mon alter ego. Je ne suis pas très groupe Facebook, donc je vous laisserai aller voir. Au niveau des livres, il y en a trois qui sont ressortis. Oui, trois. L'éducation du Chihuahua, édition 2020. Si j'ai les liens Amazon, je vous les mettrai pareil en barre d'infos. Le Chihuahua Pet Book du docteur Alain Fournier. Bien vivre avec mon Chihuahua, édition Ulmer du docteur Valérie Dramar. On a ces trois petits livres. Et donc voilà, pour là, tous les témoignages que j'ai eu, donc tout par rapport à mon formulaire. Et là, je vais partir sur la dernière partie, donc pourquoi j'aime ou je n'aime pas le Chihuahua. Sachant que, bien entendu, que j'ai aimé un jour d'amour le Chihuahua, puisque sinon je ne l'aurais pas pris. Mais que voilà, j'ai pris mes premiers Chihuahuas lorsque j'étais à peine majeure. Et que, bah, en 10 ans de temps, mes attentes et mes envies et mes découvertes au niveau câlin ont un petit peu changé. Donc maintenant, certaines choses ont un peu évolué. Mais pourquoi à l'époque est-ce que j'ai pris Chihuahua? Simplement par rapport au budget. Alors oui, ça coûtait cher à acheter parce qu'à l'époque, c'était il y a 10 ans, donc c'était la mode de Paris Hilton, donc même les non-œufs coûtaient une fortune et les femelles étaient quasiment introuvables. C'est pour ça que je n'ai pas réellement le choix sur le chihuahua que j'ai pris au final, et qu'en tant que non-œuf, elle m'a coûté quand même 1 000 €, ce qui est une aberration, tout simplement. Mais voilà, donc à l'époque, je l'avais pris parce que voilà, sur le coup, il coûtait très cher, mais au final, après, au niveau de l'entretien, je savais que c'était un chien qui allait me coûter très, très peu cher. J'entrais tout juste dans la vie active, il me fallait absolument qu'un chien, je puisse l'entretenir avec le peu de ventes de création que je faisais à l'époque. Il fallait que je puisse le gérer avec l'argent que je recevais lors de mes anniversaires et Noël pendant un an. Donc voilà, c'était le chien pour moi le plus petit du monde, était forcément le plus adapté à ma vie, et il l'a été pendant de très nombreuses années puisque j'avais aussi l'avantage de l'emmener partout où je voulais. C'était vraiment quelque chose que j'appréciais énormément. Donc maintenant, je vais vous dire ce que j'aime toujours, enfin ce que j'aime chez cette race, mais qui ne correspond plus forcément. Mais j'ai toujours aimé son côté, la diversité des apparences. En fait, tu ne croiseras jamais deux chihuahuas ensemble, ce qui m'embête chez certaines races, comme le Shepherd ou le berger blanc suisse. Bah ils se ressemblent tous, on va dire, puisqu'il n'y a pas de diversité au niveau de la couleur ou de la longueur du poil. Alors que chez Chihuahua, déjà on a le choix entre du poil court, du poil long, il y a des diversités de couleurs, surtout au cours des années c'était toujours plus. Donc même si c'est pas reconnu, on a le merle, que ce soit en bleu merle, en chocolat merle, on a du lavande, on a du bleu, du noir et feu, du blanc, du tout noir, du tout chocolat, on a... Voilà, on a une quantité astronomique de couleurs chez le Chihuahua, à tel point que bah, j'ai commencé à être acheteuse compulsive à un moment donné du Chihuahua, puisque j'en étais au point que j'aimais tellement toutes les couleurs que je voulais tous les avoir. Heureusement, je me suis arrêtée très rapidement parce que le chéri m'a stoppé. Mais voilà, c'est autant un plaisir qu'un déplaisir, parce qu'en fait, t'as tellement de mal à choisir que tu les veux tous, et que généralement, dans le monde du Chihuahua, c'est rare que les gens en aient qu'un ou deux, surtout il y a de ça 10 ans. Toutes mes copines en avaient au moins 6 ou 7 pour avoir plein de couleurs différentes. Ensuite, finalement, j'ai toujours adoré le côté que ce soit très endurant, parce que quand je faisais des balades ou quand je les stimulais pour faire des choses, ils étaient jamais fatigués, c'était toujours les premiers à sauter partout, à réclamer de l'activité ou quoi que ce soit. Quand j'avais besoin qu'ils dorment, ils dormaient, ils m'embêtaient pas. Quand je partais en cours ou autre, je ne les entendais pas broncher, mais voilà, quand j'ai besoin qu'ils aient de l'activité, ils étaient capables d'enchaîner sans souci malgré leur taille. Le fait qu'ils supportent énormément la chaleur, ça c'est un truc qui est juste une pépite, de pouvoir les sortir au soleil, de pouvoir aller se balader en plein été, faire des balades à la plage ou quoi que ce soit sans qu'ils craignent de la chaleur pour rien. D'ailleurs, ce sont des ouf malades de la chaleur, au point qu'ils se mettent à griller entre midi et 16h là où c'est le point recommandé pour faire leur bronzage. Donc je les laissais pas faire, mais voilà, c'est un truc qui est super cool d'avoir des chiens qui supportent aussi bien la chaleur. Ça fait
faculté d'adaptation, ça c'est ce qui est cool, comme je vous dis, de pouvoir autant habiter en appartement qu'en ville, de vivre avec un jeune couple qu'avec des enfants, d'un adolescent ou avec des personnes âgées, ça c'est quelque chose qui est assez fun de pouvoir les emmener et qu'ils arrivent à être discrets, que ce soit dans des hôtels, que ce soit dans des musées, des restos, voire même dans certains magasins alimentaires, ils se faisaient tellement accepter de partout que ça c'était vraiment un avantage. Sa santé solide, faut pas se mentir, c'est ce que je disais, moi il y a certains de mes chiens qui ont zéro problème de santé depuis la moitié de leur vie. Il y a ma femelle qui a déjà eu des problèmes gastriques en changeant d'alimentation, ça a été en partie réglé, bon ça revient parce que maintenant c'est sa faiblesse au niveau de l'âge, mais j'ai pas eu d'opération, j'ai pas eu de Kitty petite, bon ok elle est tombée d'un canapé, il a fallu qu'elle ait des anti-inflammatoires parce qu'elle s'était un peu claqué le muscle, mais en dehors de ça j'ai eu aucun souci au niveau de leur santé. Ils sont petits mais ils sont solides, c'est ce que je disais, tant que tu ne leur choues pas dedans, que tu ne leur marches pas dessus, t'as pas de problème. Et contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, bon peut-être que les témoignages n'iront pas tous dans ce sens-là, mais moi je sais qu'ils ont beau avoir leurs défauts, je ne peux pas leur reprocher, c'est que même la plus petite, qui a 11 ans, qui fait 2 kilos, même pas 2,5 kg tout mouillé, quand il peut venter dehors, il peut pleuvoir dehors, quand elle lui dit d'aller faire pipi, elle y va. Manteau, pas manteau, même s'il pleut, si elle décide d'aller faire son pipi dehors, elle va faire son pipi dehors. Ça, je n'ai pas ce problème-là à dire. Mon mâle, c'est pareil. Si jamais j'ai tendance à lui mettre un kawaii ou à l'habiller, c'est juste pour mon confort personnel qui ne revienne pas avec les poils trempés dans la maison, mais lui ne rechignera pas à y aller. Donc ça, c'est quelque chose qui est super cool pour des chiens, soi-disant dans le cliché du chien fragile ou petit chien à sa mère. En revanche, quelque chose qui... Ils ont peu de défauts, mais le peu de défauts qui sont m'ont pourri la vie, on va dire. C'était quelque chose qui a été décisif pour moi de ne pas vouloir en reprendre. C'est leur côté aboyeur. Alors, autant mon mâle, je suis pas embêtée, mais ma femelle est en crise d'aboiement chronique au point que tous les compléments alimentaires que je peux lui donner pour la calmer, les éducations, voilà, tout ce que vous voulez, je témoigne auprès des gens, les gens ne savent pas quoi faire. Au bout de 11 ans, je vous dirais pas que j'ai pas un petit peu laissé tomber, mais le côté aboyeur, c'est un truc que je ne supporte plus d'entendre. La propreté des mâles, alors ma femelle d'un côté, je supporte plus parce qu'elle passe son temps à aboyer, autant que mon mâle, je ne supporte pas sa malpropreté. Ça fait 10 ans que j'essaie de lui apprendre la propreté, je rentre pourtant du taf le midi, il reste pourtant que 4 heures tout seul. Il peut rester 9 heures tout seul sans me faire une connerie, autant qu'il peut faire une connerie à l'heure pendant toute la journée. Voilà, c'est... Il y a un nouveau meuble, il faut qu'il pisse dessus. J'ai une femelle qui, même si elle se socialisait maintenant, quand elles étaient en chaleur, il pissait encore plus partout. Je vais sortir une femelle pour une balade individuelle, mais que je l'ai pas pris lui, je sais qu'apparemment on peut pas parler de vengeance, mais il va quand même faire pipi partout. Il a pas hésité à faire pipi sur des gens, il a pas hésité à faire pipi... voilà, c'est un arroseur compulsif, il fait pipi partout, c'est juste insupportable, donc ça c'est un truc. Je sais que j'ai eu d'autres témoignages, je suis pas la seule à vivre ça, et c'est pas pour ça que j'ai banni que le chihuahua, mais également tous les petits chiens mâles, je n'en veux plus, je veux même plus de mâles dans ma vie, c'est même, il m'a vacciné des mâles, je ne peux plus, j'ai essayé deux fois le pincher et le chihuahua, ça a été le même constat, je ne peux plus. Ensuite, pour moi, alors c'était un avantage à l'époque, mais c'est devenu un défaut, pour moi ils sont trop petits. Maintenant je veux plus de chiens pour lesquels en fait ils m'ont causé beaucoup de stress et d'angoisse par rapport à leur taille. Alors moins mon mâle, comme je dis, parce qu'il est leur standard. Mais j'ai déjà eu ma petite Mini qui est décédée, j'avais une chihuahua que j'ai eu en retraité d'élevage pendant 3 ans avant qu'elle décède d'une maladie cardiaque. Et elle faisait 1,8 kg pour 18 cm de haut. Je vous parle même pas des angoisses que ça me provoquait de la balader dans la rue à chaque fois qu'on croisait un chien. Le moindre enfant qu'on croisait, j'avais peur qu'il me la casse. Le moindre chien qu'on croisait, si je le connaissais pas, je ne dis pas que la protégeais à chaque fois, la vivait avec des gros chiens chez mes parents, il n'y a pas de souci. Mais dans la rue, c'est l'angoisse de tout, qu'elle trébuche d'un trottoir, qu'elle m'échappe des bras, enfin c'était une angoisse perpétuelle et ça je ne supporte plus. Je veux absolument un chien parce qu'en plus j'ai tendance à malader avec beaucoup de gros chiens maintenant. Et j'ai besoin d'un chien qui soit solide au niveau de la bagarre, qui soit solide au niveau de la manipulation, qui soit. Voilà, j'ai besoin d'un chien qui soit. Un level au-dessus. Donc voilà pourquoi je ne prendrai plus de chihuahua à l'avenir. Et aussi je pense que c'est plus propre au mien, mais je chercherai une race qui serait quand même un petit peu plus prédisposée à l'apprentissage, qui serait un petit peu plus dans la demande, donc d'aller plus vers par exemple un chien berger ou quoi que ce soit, qui va plus avoir ce déclic de motivation au niveau de l'apprentissage, des tours, des tricks, même si c'était pas mon délire de base, mais d'avoir des chiens aussi peu motivés à l'apprentissage, c'est quelque chose qui est un petit peu frustrant par moment. Parce que t'essayes mais déjà toi t'as du mal à te motiver et de voir qu'ils n'en ont pas envie, c'est pas forcément top. Donc voilà, c'est pas des gros défauts que je leur
reprocherais au final, si je veux vraiment faire un bilan, je pense qu'à l'époque où j'en étais tellement dégoûtée que j'étais au point de dire que c'est une race que je ne conseillerais à personne, c'est faux, parce que c'est quand même une race qui est quand même assez cool, mais l'éducation est vraiment très 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 importante, il ne faut pas hésiter à vous faire aider si jamais vous décidez de prendre un chihuahua. Mais pour le reste, c'est vraiment un chien au niveau de la robustesse et de la qualité d'entretien et du coût de gestion par mois, c'est vraiment l'idéal quoi. Mais voilà, moi je ne reprendrai plus cette race, ce sera mes derniers pour toute la vie, mais j'aurais essayé quoi, c'est une race que j'aurais essayé et je ne les aurais pas abandonnés malgré tout, hein. C'est important, je me suis engagée sur 15 à 20 ans, bah, je l'assumerai 15 à 20 ans. Oui. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo et ce témoignage sur le chihuahua vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous apporter votre témoignage, vos compléments. N'hésitez pas à être vraiment franc, ne pas faire vos langues de bois et à dire si vraiment vous avez des soucis rencontrés ou des défauts avec vos chihuahuas, autant que les qualités. On parle de tout vraiment ouvertement en commentaire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, à demain. À demain pour la découverte de la prochaine race qui, moi-même, je ne sais même plus de quelle je vous parle. Bref, à demain. Bye. Thank you.